Salut à tous, c'est un Dédaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Arcadia. C'est un Metroidvania en 2D et demi qui a l'air vraiment sympa. On va le découvrir ensemble, les développeurs m'ont demandé de le couvrir, c'est donc une opération sponsorisée, merci beaucoup à eux. Je vais mettre un lien dans la description, non pas pour acheter le jeu, parce que je ne suis pas là pour vous le vendre, mais pour les encourager, sur lequel vous pouvez du coup écrire une review sur Steam pour ceux qui auraient envie de prendre le jeu et qui auraient envie de les aider. Ils sont vraiment là pour des reviews, c'est vraiment ce qui les intéresse, c'est pas spécialement de vendre le jeu, mais c'est au moins que les gens l'essaient, mettre une review pour les encourager, parce que bah voilà, ils ont besoin. Donc allons-y, on y va, nouvelle partie. Oula, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors je joue une espèce de taupe, je connais pas du tout, hein. Franchement, appuie sur A espace pour sauter, d'accord, jusqu'ici tout va bien. Ah d'accord, ok. Pour l'instant ça va, ça me fait vraiment penser presque à un jeu navigateur pour l'instant. Si tu tombes dans l'abîme, tu seras téléporté au point de sécurité plus proche. Ok, bon moi je tomberai jamais dans l'abîme, je suis beaucoup trop chaud. Ah, donc on flotte, on flottille. Si tu sautes sur un trampoline, tu rebondiras. Ok, jusqu'ici tout va bien. Ok, ça me va. Allons-y, hop, 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 on saute. Oh merde, ouais d'accord, bon alors l'abîme oui, bon j'avais dit que je tomberais pas dedans mais finalement je tombe dedans. C'est pour vous montrer ce que ça fait. Appuie sur K pour sauver des objets. Appuie sur E pour les lancer. Ouais, donc je pense que c'est clairement un jeu qui se joue à la manette. Hein. Bon, pas bien grave. Ah oui, ouais, d'accord, ok, je vois. Ah oui. Ok, ok. Les gars, j'ai enfin trouvé la pierre qu'on cherchait. Parfait, nous avons terminé les derniers préparatifs. Finalement, champion, prends cet appareil sur la table. Et toi qui en J, entre dans la capsule. C'est quoi ces capsules? Que dois-je faire avec cette flash? Eureka, j'ai passé une vie entière à peaufiner l'appareil du Switch et maintenant il est parfait. Le mec a développé la Switch? Génial. Que s'est-il passé? Où suis-je? Vous êtes là, la citadelle est en ébullition, il y a un monstre colossal qui ne cesse de créer des problèmes. Personne ne sait quoi faire, nous avons besoin d'aide. De quoi parles-tu? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Nous n'avions aucune idée, personne ne nous a prévenu. Ah, les communications avec les colonies sont coupées. Super. Il n'y a pas de temps à perdre, des gens ont besoin d'aide. Attends, prends l'appareil avec toi. Si tu rencontres un problème technique, Angie pourra t'aider en un instant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Cette machine peut-elle aider Taspo? Ne la touche pas, la machine n'est pas encore sûre à 100%. Comment ça se fait? Nous avions calibré le dispositif pour 3 personnes et maintenant nous avons un troisième candidat pour le tester. Vous en êtes sûr, docteur? Eri est intelligente, mais nous ne connaissons pas la situation, cela pourrait être trop dangereux. Mais t'inquiète pas, je saurai me rendre utile. Toi et Taspo aurez besoin de toute l'aide possible. T'as entendu la fille? Ne pense pas que tu lui feras changer d'avis et ses circonstances et tout ce qui est possible. Eri, entends la capsule. On a obtenu le dispositif d'échange. Vous pouvez maintenant échanger avec Eri et Angie. Appuie sur espace en plein vol pour effectuer un double saut et échanger avec Eri. Appuie sur X. Ah oui, non, j'ai cru que c'était Anna qui parlait, mais non. Appuie sur J pour transformer en balle et changer. D'accord, ok. Donc là, par exemple... Ah ouais, donc on peut effectivement échanger, d'accord. Alors par contre, j'ai oublié... Attends, j'ai oublié les touches. On a trop, là. On a trop, les gars, il y en a trop. Ah bah ouais, bah là, je suis mort. Ah, d'accord, ok, je viens de comprendre, c'est bon, ok. Alors, ouais, ok. Ok, d'accord, je vois. Donc, elle est capable de faire un double saut. L'autre est capable de soulever des trucs. Et l'autre est capable de se foutre en boule. Ok, d'accord, je vois le délire. Ok, donc là, théoriquement, elle est protégée, c'est ça? Ok, bah écoute, moi j'y vais. Hein. Hop là, tranquille, chill. Hop. Bah en vrai ça se passe plutôt bien pour nous là. Est-ce qu'il est plus rapide le lapin aussi? Je pense pas, hein. Je pense pas que ce soit plus rapide. Ok. Appuie sur J pour appeler NJ et entrer dans l'atmosphère. D'accord, et là boum, ça nous permet de rentrer. Ok d'accord, je vois le délire. Appuie sur ok. Je veux pas envie d'attendre. Ah, finalement j'attends, c'est un peu bête mais ok. Mince, ok. Mes points de vie sont des cacahuètes, hein. J'ai bien compris que mes points de vie étaient des cacahuètes. Oh non, mais j'arrive pas, c'est fou d'être aussi nul. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est une petite découverte qu'on va faire sur le jeu, j'ai promis au dev. Donc bon. Oh non mais c'est pas possible d'être aussi nul. Il n'y aura pas d'autres vidéos, hein. C'est vraiment une découverte. Le jeu est relativement simple. Alors, je suis pas fan des Metroidvania, pour être honnête avec vous. Donc je pourrais pas... Oh là là, mais je suis nul, c'est fou d'être aussi nul.
Donc je pourrais pas spécialement vous conseiller l'achat. Voire même, moi j'aime pas ça les Metroid. Là je reste sympa quand même, donc je le fais. Mais bon, je peux pas vous dire si vraiment, enfin, c'est compliqué. Je fais une sponso, mais je vous dis de pas acheter le jeu. Je fais une sponso, mais je vous dis qu'en fait, je sais pas si je jouais bien. C'est très compliqué. Pourquoi les développeurs me paient, je sais plus à la fin. Moi, je suis perdu. Mais plus sérieusement, je pense que c'est, ouais, je suis pas spécialement un gros joueur de ce style-là, donc forcément. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, il faut que je le porte. Il faut que je le porte. Et ça? Attends, qu'est-ce que tu fais? Ouais, attends, c'est quoi? Voilà. Voilà, toi, je t'attrape. Ok, j'ai plus de tarif. Oh, mince, je suis mort. Ok, j'ai cru que j'allais y arriver, mais non. Il faut que j'aille où, là, concrètement? Est-ce qu'il faut que j'aille là? Je rebondis, c'est ça? D'accord, je crois qu'il faut que j'aille là. Ok, et du coup... Salut les gars, je vois que le professeur Nova vous a donné un de ses gadgets. Tout le monde ici, dans la colonie, vous connaît. Je ne pense pas que tout le monde veuille se confier aussi facilement. Tout donne aucune information, essayez d'échanger entre vous. Peut-être que l'un d'entre eux pourra entrer en contact avec la personne qui se trouve devant vous. Essayez avec moi, n'oubliez pas, hein, d'accord, appelez Taspo, d'accord. Hey, Taspo, je vois finalement champion de la Terre. Ne parle pas comme tu le fais toujours. D'accord, écoute... très bien. On avance. Ah! Et là, il faut que je fasse quoi, du coup? Ah, il y a peut-être un truc à faire là-haut. Est-ce qu'il faut que je... Ah, ok, j'ai compris. Non, bah, j'ai pas compris, du coup. Je dois aller où, alors, du coup, concrètement? Là, je viens de par là. Là, il y avait rien à faire. Ah, bah oui, d'accord, fallait les mettre là-bas. Je me suis grave planté, en fait, depuis le début. Ok, mince. Récupère-le quand même. Et tu le jettes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je suis mort, c'est pas grave. Redescends. Tu récupères, et je pense qu'il fallait mettre là du coup. Je pense que c'est ça le délire. Et là, voilà, parfait, là on peut grimper. Tu as vu ces plumes, elles sont tombées du ciel, elles ont l'air dangereuses, fais attention. Oh, c'est tranquille. Ok, ça passe. Ah! Donc j'imagine qu'il faut que je saute par-dessus, c'est ça le délire? D'accord, ok, bien ce que je pensais. C'est hard, mais ok. Enfin, hard. Je pense que je suis juste pas très bon, c'est tout, mais... je trouve ça un peu dur quand même. Ok. Il faut vraiment utiliser les spécificités de tes personnages. Ok, on y est, on descend tranquille. Ça fait penser un peu à Sonic, là, pour le coup, hein, cette séquence-là. Ou à Mario dans les tuyaux. Ok. Allez, re-switch. Voilà. Il faut que je lance, c'est ça? Non! C'est pas grave, récupère. Et je crois qu'il faut que je lance. Bam! Non! Bon, j'y étais, c'est pas grave. Mais arrête! Arrête de mourir en boucle, frérot! Ok. Donc là, ça va remonter par là. Hop. Ok. Ouais, pour l'instant, ça va. J'ai pas envie de tout me retaper, donc essayons de jouer correctement pour une fois. Ok, et donc là, on passe en dessous. Voilà! Ok, donc vraiment, c'est sympa de pouvoir switcher entre les persos. Ça rajoute une certaine mécanique, je trouve. Encore. Encore. Ah non! J'y étais, frérot, j'y étais. Non, vas-y, on va reprendre la dame. Ok. Non, je voulais aller trop vite. C'est mon problème, j'essaie d'aller trop vite à chaque fois. Non, mais je fais nimp aussi. Là, je fais n'importe quoi, je dois bien l'admettre, je fais nimp. Ok. Là, je pose dessus. Et donc, ça ouvre. Ok, parfait. Bah, en vrai, je commence à bien kiffer, là. Ok. Qu'est-ce qu'on a, là? Ça va monter où, là? Ça va monter où, tout ça? On verra bien quand ça redescendra. Il y a quoi par là?
Couloir de la mort, d'accord. Couloir de la mort. Ah bah non, bah super. Mais attends, qu'est-ce qui m'empêche d'aller là-bas? Ah d'accord, c'est de la moisissure, donc ça fait perdre des points de vie. Ok. Ramène-toi. Allez. Ah d'accord, ok, je pensais que je pouvais sauter. Ok, bah on y va. Alors je pense qu'il est nettement plus agréable à prendre en main avec une manette, je pense. Là, j'avoue que c'est pas hyper intuitif les touches au clavier, pour être honnête. Lady Harry, je suis une grande fan. Montrez-moi comment sauter dans les airs en appuyant sur espace. D'accord. Comme ça, voilà, c'est bon, t'es content? Ok, bon, il a l'air... Par contre, pourquoi je repars par là? Il y avait un chemin à droite. Ok, je me suis emballé. C'est le bon chemin ou pas? Mais non, j'en viens de là, j'en viens. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous, j'en viens de là. Stop. Allez, hop là. Ouais, je commence à être perdu sur la map, hein. Hop, on se met en boule, en bouliche. Mais c'était pas un tuto. Attends, je suis pas en train de me planter de chemin de fou, là. C'était pas un tuto de fou, là, attends. Est-ce que je suis pas en train de me planter de chemin? Mais si, je viens de par là, c'est pour ça que je me répète. Ben ouais. Moi, je fais n'importe quoi aussi, là, forcément. Ok, on descend. Et du coup, faut bien que j'aille par là, du coup. Ok. Ouais, d'accord. Par contre, le citoyen, il faut... ça serait bien qu'il arrête de me parler. Ça me gêne un peu, le citoyen. Là, arrête de me parler. Ok, faut que je sois un autre citoyen pour lui parler, je crois. Ah merde, ça fait des dégâts. Ça, j'en viens de pas... Tout ça, je l'ai déjà fait, ça. Je viens de par là. Ok, j'arrive par là. Là, tout ça, c'est cradingue. Ok, j'ai pris tarif, on descend. Ah ouais, non, mais je sais même plus par où aller. Qu'est-ce qui fait que... Ah, il faut que je trouve... D'accord, faut que je trouve l'autre source d'alimentation. J'en ai qu'une. Il faudrait surtout que je parle à un autre citoyen pour qu'il arrête... pour qu'il me foute la paix un petit peu, là. Parce que lui, il me lâche pas en mode... Oh, fais ça, s'il te plaît. Il est un peu relou, le gars. Ok, je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Je crois, hein, en tout cas. Ah ouais, non, mais c'est trop dur, je vois rien avec la bulle. Ça, messieurs les développeurs, faudra changer. Oui, oui, oui. Ça me gêne. Bon, après, j'avoue que j'étais nul dans tous les cas, donc bon. Bien, ça changera pas spécialement grand chose. Et ça, je vous y retrouve. C'est vrai que ça change pas spécialement grand chose pour moi, mais quand même. Ok. Je sais même plus par où je vais. Tout ça, j'en viens. Ça, je l'ai déjà fait, j'en viens. Hop. Encore. Pourquoi je vais par là, je ne sais plus. Donc non, c'est forcément par là qu'il faut que j'aille. Ah bah voilà, j'avoue que je suis perdu. Eh ben écoutez, ça sera la fin, parce que j'avoue que je suis grave perdu. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Pour être honnête, ça vous permettra d'écrire une review si vous décidez de prendre le jeu. Après, je peux pas spécialement vous le conseiller, sauf si vous aimez vraiment les Metroidvania, si ce que vous avez vu vous a plu. Mais voilà, au moins écrire une petite review, pour ceux qui veulent se le prendre, ça peut vraiment aider les développeurs, et c'est des mecs qui sont super gentils, donc... Franchement, n'hésitez pas à les aider. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.